Ben, c'est un mélange de plein de choses. On a la rage, parce qu'on se dit que c'est pas possible, parce que en fait, on sent bien que l'amour est là et que la volonté est là, mais qu'on n'a pas les moyens. J'ai pas mangé pendant une semaine parce que j'avais plus les moyens et qu'il fallait acheter les médicaments de mon enfant. La pauvreté, oui, comme tout le monde, qu'on sait qu'elle existe, mais la pauvreté infantile. Maman, elle prend toujours bien soin de moi et elle ferait tout pour moi. Ben, je pensais que j'étais inutile, que j'avais rien à faire ici. Dans cette vie, j'avais rien à faire. Et ces petits bouts n'ont rien demandé. C'est ça qui est plus compliqué à gérer émotionnellement parlant. Ouais. Ça veut dire, Geneviève, que vous avez dû faire le choix et de dire... De remettre mon fils chez son papa. Parce que c'était pas possible, vous n'auriez pas pu... Vous n'auriez pas pu... L'assumer. Je ne savais plus financièrement, je ne savais plus. C'est violent, en fait. La détresse des gens, ouais. C'est la plus forte émotion que j'ai jamais ressenti de toute ma vie, et on ne s'y habitue pas. Mais à force de l'entendre pendant 10 ans, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Dis, Doudou, je dois te dire un truc. Ce soir, c'était l'anniversaire de papa. On a mangé des boulettes et du fromage avec les pâtes, c'était trop bon. Même si tu sais, on en a passé souvent. Et quand il y en a, papa met toutes ces boulettes dans mon assiette. Tu crois qu'un jour, on aura assez de boulettes pour nous et pour papa ? La pauvreté, c'est inacceptable. Chez les enfants, c'est insupportable. Avec Viva for Life, donnons du sourire à leur avenir. La première fois qu'on m'en a parlé de cette opération Viva for Life, c'est un des chefs d'antenne de Vivacité qui est venu me voir ici dans un local à l'RTBF et qui m'a dit « Voilà, on a un projet un peu dingue, au profit d'une bonne cause. » Tu veux t'enfermer dans un cube pour la bonne cause pendant 6 jours, 6 nuits, un marathon radio ? J'ai fait « Ouais, chiche. » Et votre but, c'est de tenir juste à 3 pendant toute cette semaine. Et on va chercher une cause pour récolter ces fonds. Et très vite sont arrivés les chiffres de la pauvreté des enfants en Belgique francophone. Et ben voilà, c'est vraiment tombé sous le sens. On a dit, ben ça c'est grave, parce que personne dans l'équipe n'était au courant de ces chiffres complètement hallucinants, d'avoir autant d'enfants dans la précarité. Et donc la cause est arrivée un petit peu comme ça. Et donc on nous a expliqué, on a dit voilà, et tout le monde, que ce soit Sébastien, Sarah et moi, on a tout de suite dit oui, on fonce. Je vous demande d'applaudir bien fort Sarah Depadua, Sébastien Dolvaux et Raphaël Skaini. Les voilà, ils sont avec nous. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. C'est la grande forme. Salut. Alors Sarah, l'entrée est proche, très proche. Est-ce que tu es toujours décidée à franchir le cap ? Ah oui. Franchement, excité plus que jamais. Là, on a envie d'y être. Hein. C'était une première fois pour tout, pour toutes les équipes à l'extérieur aussi, pour nous à l'intérieur, pour le public aussi. Et donc, c'était une grande première. Franchement, on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. On ne savait pas ce qu'on allait spécialement devoir faire. 3, 2, 1. Viva for Life. Ça y est, c'est parti, Sébastien. Et donc là, on y était avec cette structure qui n'était pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui. L'équipe non plus, mais c'était une super équipe. Et donc on était là un peu, on nous regardait un peu bizarre, mais qu'est-ce qu'ils font ? On était vraiment dans un concept tout à fait nouveau, un concept un peu de mélange entre de la télé-réalité et bien sûr aussi cette dimension associative. On est dans le cube ici, les animateurs sont en train de découvrir leur lieu de vie. Oui, il y a un baby-foot. Alors regardez, il y a des fauteuils super confortables. Hein. Et il est dédicacé par les Diables Rouges. En plus, effectivement, on le mettra aux enchères, on en parlera dans le courant de cette émission.
Alors pour combler les 144 heures, bah, il fallait un petit peu aussi se baser sur les codes de la télé-réalité, puisqu'on avait quand même trois animateurs qui étaient enfermés pendant 144 heures dans un cube qui était rempli de caméras. Et donc il fallait qu'on crée des activités, qu'on crée des événements. Il fallait bien sûr laisser vivre aussi certaines choses, ne pas toujours diriger les animateurs, mais les laisser partir dans leur délire aussi. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. C'est comme une première fois pour tout, je veux dire, quand on parle des enfants, etc., ben, la première fois, ça ne s'oublie pas. Et donc, ouais, c'était assez magique, c'était assez, voilà, avec les moyens du bord. C'est moi qu'on puisse dire. Alors, il faut expliquer aux téléspectateurs de la 2 et aux auditeurs qui débarquent que Sarah ne pleure pas de tristesse. Elle vient de se manger une deuxième fois l'espèce de marche. Alors, ce qui se passe la nuit à Viva for Life, forcément, c'est magique parce qu'il n'y a pas de filtre. La nuit, en journée, on fait gaffe au vocabulaire qu'on emploie, aux blagues qu'on raconte. Et la nuit, d'entrée, on sait qu'on va être déguisé, on va pouvoir se lâcher, raconter des blagues un peu rock'n'roll. Et que les gens à l'extérieur du cube, les gens qui font le déplacement, qui prennent leur voiture, qui prennent leur vélo pour venir nous voir faire un don, sont là aussi pour faire la fête avec nous. Et donc, on se retrouve avec des situations cocasses. On a eu des gens déguisés en lapin. Il y a vraiment eu de tout pendant les nuits de Viva for Life. C'est une atmosphère et une ambiance complètement décalée par rapport à la journée. C'est pour ça qu'on a pas mal de bons souvenirs. En fait, la nuit, tout ce qu'on nous demande de faire, on le fait sans plus aucune limite, sans plus aucune gêne. Parce que moi, je me suis toujours dit... Je m'en fous, j'ai l'air ridicule, peu importe. Si ça marche pour l'opération, si à la maison les gens rigolent, mais après avoir rigolé et déconné avec nous, ils prennent conscience de la cause et ils donnent, moi je m'en fous. Puis il y a une sorte de up and down émotionnel, parce qu'on a des artistes, on a des comiques, on a plein de trucs marrants qui se passent. Mais entre ça, on a des témoignages super forts avec des familles qui viennent, des mamans avec des enfants, des papas avec des enfants. Puis même parfois au téléphone, les gens qui font des dons, qui téléphonent, témoignent de voilà, pour nous dire qu'eux-mêmes sont dans la précarité, ont des soucis financiers ou des soucis familiaux. Et donc, on surfe toujours entre cette espèce de montagne russe émotionnelle. Je suis en centre aussi. Et je vois pas tous les jours mes parents. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu demanderais? Que je retourne chez moi et que j'ai à manger tous les jours. Moi, je me rappelle un soir, j'ai une dame, 45-50 ans. Je déconne avec elle parce qu'il y avait un disque fun avant, elle commande son disque et puis je mets un petit tapis de fond pour discuter et que ça se passe bien. Et à un moment, elle part dans son histoire. Et là, j'ai tout coupé en fait, je l'ai laissé parler. Le temps s'arrête. Je vais dire à mon gamin que malgré tout, même si je ne gagne pas beaucoup d'argent, je fais tout ce que je peux pour le rendre heureux et que je l'aime malgré tout, même si... Ça veut dire, Geneviève, que vous avez dû faire le choix et de dire... De remettre mon fils chez son papa. Parce que c'était pas possible, vous n'auriez pas pu l'assumer. Je savais plus financièrement, je savais plus. Cette dame qui te dit, j'ai dû faire un choix et pour que mes enfants vivent bien, je les ai laissés à leur papa. Ouh. C'est violent, c'est super violent. Une maman qui fait ce choix-là. Waouh! Non, en fait, la pauvreté, oui, comme tout le monde, ou presque, on sait qu'elle existe. Mais la pauvreté infantile, ces chiffres, ils étaient quand même assez abstraits. Un enfant sur quatre sous le seuil de pauvreté en Wallonie, un sur trois même à Bruxelles, c'est énorme. Mais là, avec l'émission, on avait des témoignages. On voyait les gens qui nous parlaient de leur réalité. On voyait vraiment ces enfants en difficulté. Et moi, je l'ai vraiment pris comme une claque de me dire, dans un pays... comme celui-là dans lequel je vis, comment est-ce possible? Derrière moi, il y a 360 services de l'aide à la jeunesse qui sont aussi dans des difficultés comme les miennes. Et ce soir, ce que je voudrais d'abord faire, c'est regarder ces enfants qui, au bivouac, sont là. Les premiers champions, c'est eux, qui depuis 2 ans vivent vraiment dans une situation dramatique à cause de la pandémie, etc. Leurs familles nous ont fait confiance aussi. Et puis aussi tous ces éducateurs de l'aide à la jeunesse, les nôtres, mais tous ces éducateurs qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, font un travail vraiment... Et c'est important de le souligner. Moi, ce qui me fait tenir le coup, c'est ma fille. Tout part pour la petite. Nous, on n'a pas de plaisir. Si, à mon âge, t'avais une mouche.
Moi, j'ai 85 euros toute la semaine pour prendre de la nourriture pour la petite. Pampers, ces boîtes de lait, de croissance, et nous, le reste de nourriture, pour savoir manger. On a très dur d'ailleurs, on est obligé de vendre 2-3 affaires à nous pour dire qu'on sache tenir le coup. C'est déjà un petit appartement de 25 mètres carrés à 20 mètres carrés. Une petite salle de bain où là je fais ma lessive dans la douche, la petite cuisine. Et la pièce vive, elle est coupée en deux, donc obligé avec le garde-robe. Pour dormir, obligé d'ouvrir le matelas. La petite, elle dort là près de nous, n'a pas d'intimité, donc on ne sait plus rien faire. Moi, j'aimerais me retrouver plus grand pour que ma fille puisse se dépenser comme elle doit se dépenser, comme un enfant normal. On peut s'imaginer beaucoup de choses par rapport à la pauvreté, mais ça, c'est quelque chose... Waouh, ça m'a vraiment mis une claque parce que quand on sait que les parents se sacrifient, donnent tout pour leurs enfants, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là, en fait. Et donc moi, c'est voilà, le seul truc où, des fois, tu te le prends en pleine tête et voilà, les émotions viennent et tu peux rien gérer. Raphaël, on n'est pas encore passé sur vous par rapport à ce témoignage, ces 3 jours écoulés, un peu plus de 3 jours écoulés oui. déjà. Et vous, je sais qu'il y a un moment qui a été particulièrement fort, puisqu'il y a une petite fille qui s'est présentée ici, à la boîte aux lettres, une petite fille handicapée. Et vous l'avez accueillie, c'est vous qui l'avez accueillie. Oui, c'était... Ça va être aussi compliqué avec Christophe. On va pas se regarder, je crois. C'était il y a 2 jours, je crois. C'est une petite fille qui était portée par un des vigiles qui surveille ici qui est sur la sécurité et sa maman. Et voilà, elle est venue dire et avec sa manière de parler, elle a dit voilà, je voudrais faire un don pour les enfants qui sont plus mal que moi. Parce que dis-moi, je suis encore gâtée. Et j'avais l'air con, quoi. Tu vois, t'es là et tu regardes la gamine et tu te dis. Quel courage. Tu dis putain, allez, elle tient pas debout. Elle sait à peine parler, sa mère est là, enfin il y a toute sa famille. Et elle est là et elle met sa petite contribution dans la boîte aux lettres. Non, voilà. C'est fort, c'est des trucs comme c'est des trucs comme ça qui nous portent, et c'est des choses comme ça que je suis allez, sincèrement, on est claqué, ça fait 3 jours, on est au milieu de l'aventure. Ouais. Et c'est ce genre de témoignage, c'est ce genre de choses qu'on vient de voir qui fait que voilà, on s'en fout. On est claqué, on fait ça pour la bonne cause. Il y a vraiment, vraiment des choses à faire sur le terrain de l'enfance précarisée. Alors, ben tant pis. On met toutes nos frustrations, fatigues, faim, tout ce qu'on veut, on les on met derrière. On pense plus à nous, et on pense plus, on y va. Même venir faire un don, déposer des sous dans cette boîte aux lettres, ben, c'est un défi parce qu'on prend sur l'argent du mois ou parce qu'on a des difficultés à se déplacer. À vous qui faites preuve de générosité et de courage aussi pour soutenir cette cause. Viva for Life! Alors, le soutien de Viva for Life est essentiel pour l'instant à la survie de notre structure. Ça fait 4 hivers qu'on existe. On n'a toujours pas trouvé de subventionnement récurrent à notre projet. Et je pense qu'on est à ce jour le seul service d'accueil de jour qui accueille les enfants gratuitement. 6 jours sur 7. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Je veux dire, on peut effectivement améliorer la situation concrète des enfants avec ce type d'opération, mais structurellement, il faut en priorité, il faut vraiment lutter pour ça. C'est la première chose à faire, c'est lutter pour faire en sorte que les salaires soient décents, que les revenus de remplacement soient à la hauteur, qu'on puisse individualiser les droits sociaux, automatiser les droits sociaux pour éviter que des familles au complet se trouvent dans des galères pas possibles. Il y a une fois, je suis arrivée au centre parce que mon petit garçon est. Et à un moment donné, mon petit garçon, il me donne une carte et il dit « cache de maman ». Et je dis « c'est quoi ?» Je regarde, c'était une petite carte qu'on trouve dans les caisses de petits magasins, dans les jouets, là. Il avait pris ça dans le bac à jouets là-bas. Et il dit « tiens, maman, c'est une carte de bus qui me dit « ainsi tu sauras venir maintenant en bus ». Ça m'a touchée, j'étais mal et tout. Je ne savais pas quoi faire, si je devais le engueuler ou si je devais pleurer. Ça m'a fait mal au cœur de voir mon petit garçon me donner cette carte de jouet en croyant que c'était une vraie carte de bus. Et il me dit, tiens maman, essaie de se revenir au bus. Quoi. Parce qu'il savait que je fraude ici, que je lui dis la vérité au petit. C'est peut-être tout ça que je ne devrais pas faire, lui dire de trop, des trucs de grand. Moi, je dis tout au petit, je lui dis que je monte dans les bus ou dans le métro sans payer. Maman, elle a raté le bus, maman, elle est venue à pied. Elle n'a pas su venir parce que j'avais pas d'argent. Et lui, il a dit, ainsi, tu sauras venir, maman. Moi,
un savon et quand j'ai mis mon pyjama, ben du parfum. Ça, c'est une bonne idée. Un bain. Comment est-ce que ton rêve, ça peut être juste d'avoir un bain? J'ai déjà eu l'occasion de revoir certaines images. Mais, ouais, il y en a qui marquent tout le temps cette... C'est bizarre, hein, des années après, de ressentir la même chose, mais... Cette petite fille qui dit que son rêve, c'est de prendre un bain. Des années après, je me demande toujours comment c'est possible. J'ai été avec les larmes aux yeux parce que je me disais, maman, elle prend toujours bien soin de moi et elle ferait tout pour moi. Bah, je pensais que j'étais inutile, que j'avais rien à faire ici. Dans cette vie, j'avais rien à faire. Comme on l'a entendu ici, un enfant qui pense qu'il est trop dans sa famille et qu'il est un poids pour ses parents, enfin, c'est pas normal. Le mot est fort, mais je trouve que c'est inhumain pour un enfant de penser qu'il est de trop dans la vie de ses parents et qu'il ne devrait pas être là et que finalement il est la cause des déboires de ses parents. Un gosse, ça doit penser à être un gosse, à rire, à jouer avec ses copains et ça ne doit pas penser aux problèmes financiers de la famille, aux problèmes des parents. C'est l'insouciance, un enfant. C'est croquer la vie à pleines dents, c'est découvrir le monde. Et quand on arrive là, voilà, quand on en arrive là, c'est que il y a vraiment un gros, gros, gros souci. Je m'appelle Dani, j'ai 14 ans. Dehors-toi. Ce que j'aime dans la vie, c'est les animaux, le foot, travailler en maçonnerie et apprendre plein de trucs. C'est ça que j'aime le plus. Avoir une belle vie, pas une vie comme ça. Mais ça, je ferai tout pour avoir une belle vie. Je suis si impliqué à l'école, c'est parce que je veux pas vivre la même situation que maintenant. Je voudrais pas reproduire ça. Ça a été une fois, pas deux fois. La vie d'un enfant, ça doit être... pas une situation comme ça. Ça doit être un enfant qui est bien, qui a une belle maison et tout, qui est déjà devant, qui est heureux. Pas qu'ils se sentent tristes et en colère. La vie d'un enfant, il doit être heureux. Nous, les enfants, on a le droit à manger, s'habiller, avoir une maison. Aller à l'école, des manteaux, des chaussures, des choses comme ça. Des jouets, de quoi s'amuser. Un enfant, ça a le droit de vivre. Avoir une maison, une voiture et d'apprendre. D'avoir un lit pour dormir et d'être soigné. Ben, en tant que parent, on est forcément touché aussi de se dire mince quoi, c'est des petits bouts qui n'ont rien demandé. C'est pas de leur faute, ils arrivent dans une famille où les parents sont dans la dèche et les parents n'ont rien demandé non plus. C'est grosso modo la plupart du temps des accidents de parcours et ça peut aller vite quoi. Tout le monde se retrouve dans la dèche et c'est la faute à pas de chance. J'ai 30 ans, j'ai une petite fille de 3 ans qui s'appelle Aurélia. Bonjour mon amour. Ma fille, c'est toute ma fierté, c'est mon moteur, c'est ce qui me permet d'avancer et d'avoir les pieds sur terre et d'avancer pour elle, d'être pour une stabilité le plus possible pour qu'elle puisse... ne pas trop ressentir les effets de ne pas avoir un chez-soi, on va dire ça comme ça, s'il te plaît. De ne pas donner le meilleur à ma fille, oui, je culpabilisais, ouais. Bon appétit. On se dit qu'on est fautif et qu'on ne donne pas le meilleur de soi-même pour le bien-être de sa fille. C'était un peu difficile pour moi au début. Quand je vois les témoignages, j'ai l'impression de me souvenir de chacune de ces histoires. Des histoires différentes, je me souviens des visages, je me souviens des noms et ça remue beaucoup de choses de les voir. On les oublie pas, ils sont dans ma tête pour toujours, mais les réentendre, ça me fait vraiment mal au ventre. Alors je sais qu'il y a des personnes qu'on a entendues, qu'on a pu aider. Je sais qu'il y en a qui ont encore des difficultés et je sais surtout qu'il y a aussi
tous les autres témoins qu'on n'a pas encore entendus, qui vont nous parler de ce qu'ils vivent. Et c'est ça surtout qui me fait mal, c'est de me dire qu'il y a encore trop de gens, trop d'enfants dans les difficultés. Voilà, je sais pas si ça enregistre ou pas, peu importe, mais j'avais besoin de m'isoler un petit peu parce que, voilà, aujourd'hui j'ai un petit coup de mou. Il faut savoir dire quand ça va pas, il faut aussi savoir dire quand ça va moins bien. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai un petit coup de mou. On a de plus en plus de témoignages d'associations, de personnes qui bénéficient des associations et qui sont en situation de détresse. Aujourd'hui, j'ai peur qu'on n'arrive pas à toutes les aider. Il y a cette solidarité, mais j'ai peur que ce soit pas assez pour les aider. Donc, j'ai vraiment envie de sensibiliser les gens sur l'importance de donner. Voilà, moi j'ai envie vraiment de tout donner à 3000% et j'espère que ça va suivre parce que je serais vraiment mais trop mal au terme de l'aventure de ne pas pouvoir aider toutes les associations. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai un peu ce petit coup de mou, ce sentiment de peur de ne pas y arriver. Donc voilà, j'espère que vous allez nous aider à parvenir, à récolter un bon montant, à battre les records parce qu'il y a plus d'associations que l'année dernière qui sont en demande et moi j'ai vraiment envie de les aider, c'est un engagement qui me tient à cœur et aujourd'hui, voilà, c'est plus compliqué. Le fait d'être tous ensemble, de se mobiliser, ça peut changer les choses. Moi ça me fait de la peine parce qu'ils devraient avoir la même chose que nous. C'est une leçon de vie parce qu'on se dit, attendez, si même les enfants se rendent compte qu'il faut agir, il faut le faire. Donc c'est toujours assez émouvant. Et les enfants, en fait, ils comprennent beaucoup plus souvent que les adultes. Avec les enfants, il y a quelque chose qui se passe. Moi aussi, je veux participer. Il y en a beaucoup qui viennent nous voir à la boîte aux lettres. À l'âge de 9 ans, j'étais tombée dans la pauvreté. Et justement, si moi, maintenant, j'ai réussi à en sortir, c'est grâce à ça aussi. Ouais. Donc maintenant, je peux faire un acte. Maintenant, c'est à mon tour de faire des actes. Comme vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'ai pas une enfance très très facile. Oui, je dirais, oui. Et déjà en parler, ça me... Ça encourage. C'est douloureux. J'ai eu une personne qui a fait autre chose que faire des dons et penser aux autres. Ouais. Et bon, ça a mal fini. Donc Joseph, c'est un héros. Une véritable leçon de vie. Cette leçon est que si vous avez plus d'argent qu'il ne faut, faire un don, c'est bon pour l'équilibre, ça fait du bien aux autres et à vous-même. C'est la première fois, je pense, que dans Viva for Life, qu'on fait un don énorme. Et ben dis donc. 75 pour Cap 48 et 75 pour Viva for Life. C'est énormément de sous et ça va faire du bien à ces associations qui sont sur le terrain. 75 000 euros, on ne peut pas ne pas pleurer parce qu'on reçoit tant d'amour, d'émotion, on se dit c'est juste incroyable, c'est Viva for Life. Vous savez, quand je prends le téléphone, en fait, c'était une jolie métaphore. Prendre mon téléphone, pour moi, c'était comme prendre un enfant par la main. Parce que quand j'ai pris mon téléphone, je me dis, je vais aider un enfant. Je vais essayer de lui offrir un avenir meilleur. Prendre un enfant par la main pour l'emmener. En son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Avec ce genre de témoignage, on se rappelle aussi qu'en fait, finalement, personne n'est vraiment à l'abri d'un accident et des circonstances de la vie qui peuvent parfois nous mener dans des situations très compliquées. C'est un moment comme ça où on se rend compte que, à la fois, on est tous différents et en même temps, on partage quelque chose. Parce qu'on a tous vécu la même émotion au même instant. On a peu de choses en commun et pourtant on se rassemble sur des choses qu'on partage immédiatement. Je crois que c'est ça la solidarité, c'est ça la fraternité, c'est ça l'humain en fait. Prendre un enfant par le cœur.
cette chanson, voilà, elle explique vraiment ce qu'est Viva for Life, l'âme de Viva for Life, elle est dans cette chanson. En tout cas, merci à vous pour tout ce que vous faites, parce que c'est vrai que grâce à vous, ben voilà, j'ai pu avoir un endroit avec ma fille pour comment continuer à avancer, pas se retrouver à la rue. Donc un grand merci à vous et merci aux gens qui donnent aussi. Ce moment où on sort du cube, c'est des émotions très très intenses, parce que toute la semaine, des 144 heures, personne ne nous dit où on en est au niveau des dons. C'est un sentiment qui est très difficile à décrire en fait, mais c'est on sent l'amour, on sent la solidarité et en même temps on pense à toutes ces personnes qui sont dans la merde, il faut le dire, et on se dit allez, tout cet argent là maintenant ça part dans les associations pour offrir un avenir meilleur. On est tous les trois dans cet état là. On a la peur de décevoir en fait les associations et donc les familles et donc les enfants. Parce qu'on se dit, s'il n'y a pas assez d'argent, on ne va pas pouvoir aider tous les projets. 3, 2, 1... On a dépassé les 2 millions d'euros grâce à vous. De la part des 4 millions d'euros, 4 millions 929 000, 7 millions, 61 000. Générosité qui s'exprimait, 7 512 346 euros. Et vous pouvez encore vous joindre à ce grand élan de solidarité en faisant un don. La délivrance, quand on appuie et quand on voit que les efforts sont récompensés et qu'on va pouvoir les aider, et c'est la plus forte émotion que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. Et on ne s'y habitue pas. Heureusement qu'on ne s'habitue pas à tout ça et qu'on repart au combat. C'est un peu un combat, finalement. On se bat contre cette pauvreté. Je voudrais que la vie soit plus jolie. Elle est un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je crois qu'il aura fallu 10 ans pour m'arracher une larme dans cette opération. Depuis 2013, l'opération a pris une place significative dans le secteur de la lutte contre la pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce combat, les associations de terrain le mènent chaque jour auprès des familles, dans l'urgence ou sur le long terme, pour que la précarité ait le moins d'impact possible sur les jeunes enfants. Ce travail primordial nécessite des moyens importants pour répondre aux besoins toujours plus pressants des familles. Depuis 2013, ce sont plus de 900 projets qui ont été financés par Viva for Life. En 10 éditions, avec vous et grâce à vous, l'opération a récolté plus de 40 millions d'euros et a permis d'améliorer le quotidien de nombreux enfants grâce au travail d'associations de terrain. 10 ans de solidarité et d'émotion, avec vous et grâce à vous. Mais le combat n'est pas fini. Viva for Life! Un sourire pour l'avenir.